C'est une persécution politique pour une même fois, donc je me bats devant la justice, Moreau Zibochin, donc devant le commissaire gouvernement. Mandat, oui, ben, c'est pour la promotion de la criminalité en Haïti. C'est grave, ça. Ok? Et puis, incitation à la violence. C'est grave. Moi-même, le policier, ce qui dit en question, c'est que c'est une petite séquence. C'est à partir de petite séquence ça que le commissaire gouvernement invite. Si tu prends le temps et le son que tu as dans toutes les émissions, d'après que nous avons un débat contradictoire sur la question. Et c'est ça qui a bonne raison. C'est ça qui fait que j'ai raison parce que je parle. Parce que tout le monde n'a pas parlé pour moi. Tout le monde n'a pas connu que le coup de Zimba, j'en ai affaire avec gang. Même Zamba, Zamba pour sécurité personnellement. Même sécurité m'a gagné. Donc nous allons répondre à la question comme c'est le gouvernement, donc vendredi prochain. Tout avocat nous pour nous expliquer donc que ça nous devrait dire. Bien entendu, l'émission de débat nous a rectifié, ça nous est dit. Et puis deuxièmement, et nous avons besoin des excuses. Pas excuses parce que nous on dit on bagaille qui pas de ça nous. Mais excusez-moi auprès de fanatiques pendant les débats, aux fanatiques le coup des yeux. Et parmi la dedans qui ne comprennent pas. Ça me devrait dire. Alors, parler de tout le monde qui connaît le Coup d'Ezir, il y a une journaliste, analyste, qui était très critique à l'égard de vous-même, parce qu'il y avait avec réflexion, ça a été produit après l'émission. Et il était arrivé dans les limites jusqu'à ce qu'il puisse demander qu'on puisse la sanctionner. Toutefois, la justice a arrêté une guerre. Bon, écoutez, c'est blablabla. C'est du blablabla. Même tenir compte de ne pas parler sur le coup. Parce que je dis, on ne peut pas mentir, même les gens qui parlent, ils ne pas oublier, et puis les jeunes garçons, ils font la police tout le mal. Et puis les jeunes garçons, ils font bandit tout le mal dans le pays. Ok? Moi, je m'occupe de parler ça. Et je dis, je ne pas croire un journaliste qui pipe la population que le police. Je ne peux pas croire un journaliste qui pipe la population que le police. En 6 ans, nous distribuons avec la population presque 3 millions de dollars haïtiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune émission qui fait ça. Et moi, c'est que je dis, hein, et tout ça, ils ont entré dans quelques batailles là. Donc, c'est un image de police, parce que vous pensez que je suis candidat à la présidence, peut-être que je gagne un mois avant. Bon, à mon avis, c'est vous-même, vous avez un candidat par vous. En tout cas, monsieur, je suis un candidat et je ne suis pas vraiment candidat. Et la persécution politique qui peut continuer, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est le gouvernement qui prend la décision pour inviter nous, souillons. Et opinion que je mets dans une émission de débat. Parce que ce n'est pas une information que je débase, ce n'est pas une désinformation que je fais. Donc, c'est une opinion que je mets dans le débat. Et qui c'est la réalité là? Bien entendu, la façon que je communique là, ce n'est pas tout le monde qui te comprend. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord à la façon que je communique là. Comme c'est la justice qui a fait le travail, comme gouvernement, chaque petit bagaille est de justice. Donc, ils ont saisi pour faire marcher par devant la justice. Donc, nous allons répondre à la question du commissaire gouvernement, donc vendredi prochain, donc, avec tous les avocats, pour nous expliquer donc, que ça nous devrait dire. Bien entendu, l'émission de débat nous a rectifié, ça nous a dit. Et puis deuxièmement, et nous avons besoin des excuses. Pas excuses parce que nous on dit on bagaille qui pas de ça non. Mais excusez-moi auprès de fanatiques pendant les débats, aux fanatiques le coup des yeux. Et parmi la dedans qui pas comprennent, ça me devrait dire. Et finalement, donc l'infini fait rectification. Tout le monde comprend, ça me devrait dire. Et de fait, les phénomènes gang sont réalité. Sont réalité, donc pratiquement dans le pays. Bon, malheureusement, pas jamais, on ne pourrait pas gagner fort pour faire tout ça. Donc nous-mêmes dans la radio, nous-mêmes dans la presse, on continue de faire des travail par nous. Et matin débat sur une mission d'analyse, de commentaires et de débat, et de débat contre la victoire. Et ça qui dit en question, c'est que c'est une petite séquence. C'est à partir de petite séquence ça que comme ce gouvernement invite. Si tu prends le temps et le son que tu as dans toutes les émissions, et d'après que nous avons un débat contradictoire sur la question. En tout cas, comme c'est une persécution politique, pour une même fois, donc je me bats devant la justice,
vendredi prochain donc, devant le commissaire gouvernement. Mentalement, comment vivre la réalité, ça, je veux dire? Bon, écoutez, moi-même, travail m'a fait dans le cadre d'une bataille. Une bataille pour retirer le pays dans sa lière. La seule chose, c'est que le difficile pour la famille. Donc, l'organe famille qui tout à coup comme si étant découpable la justice, donc moralement, psychologiquement, donc famille pratiquement donc, déséquilibrée. Mais moi-même, nous connaissons, montrer dans le cadre de bataille que moi-même, moi, engagé, ok, pour me retirer le pays dans sa lière. Parce que matin débat, en 6 ans, donc nous faisons un pile social dans le pays. Et en 6 ans, donc, nous arrivons à changer la perception en pile monde de la politique donc, en Haïti. En 6 ans, il y a des gens qui ne peuvent pas faire analyse politique, qui fait analyse. Donc on a continué. Donc nos batailles de changement, il n'est pas jamais facile. Donc on vient en pile embûche. Et on vient justement il y a des gouvernements, des gens dans le gouvernement. Qui ne peuvent pas comprendre nous et puis qui a cherché vers ce qui est. D'où l'invitation politique? Oh, sans invitation politique. Parce que écoutez, on me dit pour qui ça me dit là pour me dire que je vais être commissaire gouvernement. Il y en a qui dit pire. Qui ça que me dit? D'ailleurs, ce n'est pas une information que je me baille, ce n'est pas une désinformation que je me fais. Donc, son opinion que je émette, et je dois émettre opinion moi-même. On n'a pas d'accord avec elle. Mais. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, libre loi ça. Ou bien, quoi, mon opinion, son bagage. Son opinion que je mets dans l'émission. Et puis, finir un débat contradictoire, donc, sous opinion que je mets là. Et puis, malheureusement, son petit séquence qui est coupée. Et puis, il y a le gouvernement. Et puis, le gouvernement lui-même, il invite le locaux de la justice. Donc, la justice. Avec Aougano, donc pour nous défendre. Nous. Okay. Est-ce que alors, je veux dire là, ou pas gagner un recul pour sur des séries de sujets? Écoutez, moi-même, nous, pour dire, je dis ça déjà, je vais faire bac. Parce que tout ça qui dit dans le matin, c'est pas mentir que nous baillons, c'est vérité que nous baillons. Donc je dis à moi que nous ne pouvons pas faire bac sur le travail que nous avons pour nous faire. Et en tant que professionnel, en tant que journaliste, et en tant que citoyen concerné. Tout. Donc vous devez déjà éviter. Je n'ai pas qu'à 2 fois déjà, invité me de CDJ 3 fois et je n'ai jamais fait bac. Je n'ai pas couru, je prends ma recension, je suis avec l'avocat, je vais répondre à la question. Donc heureusement, le coup désir, tout le monde connaît que le coup désir, donc quand ça se met tranquille, j'ai les mains propres. Et si je me dis un grain de sable, un grain de sable de dossier, je dis que je vais dans la pénitentiaire nationale. Alors, grand pile monde sur le réseau qui fait connaître ou une connexion à gang, c'est ça qui fait que vous avez parlé comme ça. Et qui ça ou même capable de dire? Bon, que mon répond. Parce que je ne sais pas, pas grand monde en Haïti qui ne connaît pas les gens. Pour me donner un rapport avec gang, et puis moi-même, ma gourmet contre gang. Pour me donner un rapport avec gang, et puis je manque de mourir la tibouille, gang manque tout le monde. Donc, c'est chercher à chercher pour être capable de terner l'image de les gens. Parce que pas oublier. Je veux dire, il y a 5 candidats à la présidence. Il y a un qui a gagné l'élection, qui c'est Jovenel Moïse. Il a assassiné. Il y a un autre qui est Éric Jean-Baptiste. Il a assassiné. Il y a un autre 3 candidats à la présidence qui étaient dans l'élection 2015. Il y a un autre qui a gagné Sounoua. Il y a un autre qui a gagné Luko Désir. Il y a un autre qui a gagné Moïse Jean-Charles. Tout ça qui est la politique. Donc c'est pour chercher à ternir l'image de Luko Désir. Non associé à des actions criminelles et puis pour payer à venir en perception que le coup d'ésir sont criminels. Qui est-ce qui pas contre le coup d'ésir dans le pays? Qui est-ce qui pas contre tendre émission matin débat? Nous sommes dans des mafias pour nous gang. Nous sommes dans des que le coup d'ésir en fois donc bail gang balé dans matin débat. Peut-être ça arrive une seule fois, mais après ça j'aime dans le coup d'ésir dans question bail gang balé faire pour nous gang. Non. Nous toujours encourager la police pour le faire travailler parce que tout pays a bouqué la situation que nous avons. Le gouvernement le fait travailler, donc la PC met le sous dos, pas moi-même. Vous imaginez, c'est très grave. Ok? Mandat, oui, ben, c'est pour la promotion de la criminalité en Haïti. C'est grave, ça. Ok? Et puis, incitation à la violence. C'est grave. Moi-même, le policier. Et c'est ça qui a bonne raison, c'est ça qui fait que je
bin raison parce qu'on a parlé parce que tout le monde n'a pas parlé pour moi tout le monde n'a pas connu que Loco Désir pas jamais dans affaire gang même zam pour sécurité personnellement même sécurité m'a gagné donc c'est pour tenir image Loco Désir eh ben pas un problème donc on a continué de travailler et nous va faire back et on a continué de travailler.